minutes, 2 minutes, buddy, bah. 2 minutes, 2 minutes, bah oui, bah nous, 2 minutes, 2 minutes, bah les beudes, 2 minutes, tu peux. Quand on n'a rien à faire, il n'y a rien comme une bonne émission policière pour se changer les idées. Alors, bonjour, soirée. Bonjour, inspecteur. Eh ben alors, scorbon pouit. Qu'est-ce que vous foutez avec ce crayon dans les parties intimes du cadavre? Vous m'avez dit d'encercler le sphincter. Vous avez dit d'encercler le secteur. Inspecteur, on a trouvé une autre victime avec une balle dans la tête. Dans le milieu de la mafia? Non, dans le milieu du front. Bon, je veux dire, est-ce que le type est dans le milieu de la mafia? Non, le type n'est pas dans le milieu de la mafia. Il faudrait un mandat pour arrêter le coupable. Qu'est-ce que ça va changer? Si le type a une bagnole, il est déjà loin. Il va sûrement faire un arrêt à une station. Quel est le rapport? Ah, il faut un mandat d'arrestation. Écoute, viens par ici. Hein? Tiens, je mets mon poing comme ça, oh, et tu cours vite, vite, et tu mets ta gueule dedans. Maintenant, tu me répètes ton camembert, s'il te plaît. Oh là là, le station. C'est drôle. Qu'on engage une poursuite, je veux 10 voitures direction ouest sur l'autoroute. Je voudrais pas vous contredire, inspecteur. Quoi? J'irais plutôt direction ouest. Eh ben, moi, je voudrais pas vous dire quoi faire. Quoi? Mais retournez donc au bureau et sortez donc le dossier de ce type. Eh ben, je voudrais pas vous manquer de respect. Allez-y. Mais vous êtes un enculé de merde de pute, bordel, merde de chien, culé de croc. Eh ben, je voudrais pas vous passer l'aspirateur sur la gueule, mais. Quoi? Tiens, petit trou de cul. Je voudrais pas vous visser une ampoule électrique dans le cul, mais. Ah non, parce. Oh! Tiens, ça te prendra un petit coup. Inspecteur! Plus tard, Glibunzi, je remplace une ampoule, là. Continue, officier. Non, ça va, elle est toute vissée, là. Ben, dévissée alors, grand fou. Inspecteur! Bon, ça va, j'arrive! Et. C'est l'ampoule, chérie. Oui, je sais! Je suis en train d'interroger un témoin, il arrête pas de m'insulter, je vais lui casser la gueule! Allez, allez, faut jamais perdre patience avec les témoins, bah, allez! Vous allez voir! Aussi agressif puisse-t-il être, laissez-moi faire, vous allez voir! C'est lui! Alors, monsieur! J'ai rien à te dire, poulet de mon cul! C'est ça, c'est. Va chier, pourriture! On va parler tranquillement. Face de con! Je connais la chanson, mon vieux! Et oui, c'est ça, bravo! Tiens, pourri, un petit peu de violoncelle avec ça, tiens! De merde, de pouilleux de merde! Les poulets, c'est tous des enfoirés de merde! Oui, ils sont tous de la merde, c'est de la merde! Les poulets, oui, vous êtes tous de la merde! Oui, c'est de la merde! Les poulets de la merde! Des poulets de merde! Voilà, bravo! Merci! T'as vu, il faut jamais perdre patience, ouais, mais inspecteur! Avec l'expérience, on garde son calme! Oui, je comprends, mais. Moi, je m'y connais! Oui, bravo, bravo, mais vous avez oublié de lui poser des questions! Oh merde, c'est vrai! Inspecteur Drapet. C'est ta femme. Ah, bonjour. Bientôt 10 ans de mariage et je t'ai presque pas vue. Ouais, t'exagères un peu. Caroline. Caroline, c'est ça. Et quand vas-tu rentrer à la maison? Ce soir, promis. Je t'attends. Caroline, une minute. Elle en a de bonnes, celle-là. C'est votre femme? Elle veut que je rentre chez moi, elle me donne même pas l'adresse. Elle nous comprend vraiment pas. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.